Hello tout le monde, Sauron, comment allez-vous? Moi je viens se retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Guild Wars The Path of Fire. Et on se retrouve direct dans, je sais pas ce que c'est, en tout cas c'est une cité oubliée. Excellente idée. Vous devez être sur un noyau d'énergie de ligne de force. Écoute, j'ai trouvé quelque chose. Une cité. Il y a du sable et des débris partout. Et des piédestaux comme ceux de Tahrir, avec des sentinelles exaltées postées dessus. Il faut rétablir le courant. Exalté inconnu. Il est étrange cet exalté. Il bouge, donc il est vivant. Mais il ne réagit pas à ma présence. Il dort. Trouvez un moyen de le toucher avec quelque chose. Non, attendez. Ne faites pas ça. Ça va fausser le protocole de recherche. Je sais que les exaltés de Tahrir se servent de ces piédestaux pour dormir et se recharger, mais là, c'est différent. Ils ressemblent à des... J'ai trouvé un cristal scintillant. Et un cadavre. J'espère que ce n'est pas le cristal qui a tué le malheureux. Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer. Hein. C'est déjà fait. Plus rien à manger. Ah d'accord, en fait, le mec est resté ici. Branchez-le sur la console. Le mec est mort ici, en fait. Moi je sais, je le sens pas du tout mais... Ok, je l'active. C'était quoi ce bruit? Une porte vient de s'ouvrir. À l'intérieur, il y a un autre exalté. Il n'est pas rouge comme les autres. On dirait qu'il... Non! C'est Balthazar qui vous envoie? Ou Choco? Je défendrai cet endroit sacré au péril de ma vie! Attendez, je suis un ami. Nous n'aimons pas Balthazar non plus. Le commandant cherche à l'arrêter. Vlast est notre seul indice. Qu'est-ce que vous avez fait? Les piédestaux réveillent les forgés. Les créatures rouges brillantes sont des forgés? Vous avez eu de la chance de ne pas les toucher. Vous prétendez ne pas être au service de Balthazar. Prouvez-le! Détruisez ces créations. Ok. Sommet rapide. C'est quoi comme succès ça? On le voit pas. Bon, on va les tout tuer, hein, tant pis. Hein. Bon, ça va, c'est pas des vétérans, donc ça va. Hop, il y en a que 3. Mais taille, hein. Voilà, ça va. Ça te va comme preuve. Balthazar est la raison de ma présence. Il cherche à tuer Kral Katorik et nous, nous voulons l'arrêter. Si seulement vous étiez venu plus tôt. Balthazar est passé avec cette maudite liche de Joko. Il cherchait les mêmes réponses que vous. Apparemment, je suis le champion élu et le protecteur de la seconde descendante de Bryl, Oren. Si l'on vous a confié le rôle de protecteur de la descendante, ce sera un honneur pour moi de vous aider. Je suis Sadizi. Bienvenue à Kesho. Ce que vous voyez, ce sont les vestiges de la première tentative des oubliés pour apaiser les dragons ancestraux. Elle a échoué. Le site a été abandonné, mais une poignée d'entre nous est restée pour le garder. Qu'est-ce que Balthazar et Joko sont venus faire ici? Ils cherchaient une magie des oubliés capable d'imprégner les armures d'esprits vivants. C'est la même qui a créé les exaltés. Ils ont rapidement découvert qu'ils pouvaient l'utiliser pour créer ces abominations. Les monstres qu'ils appellent les forgés. Les exaltés rouges que vous avez combattus étaient le fruit de leurs premières expériences sur nous. Abandonnés. Pour servir de sentinelle sans âme. J'ai profité du chaos pour m'enfermer dans cette chambre et échapper au même sort que les autres. Et vous avez bien fait. Maintenant, vous pouvez nous aider à contrecarrer les plans de Balthazar. Balthazar croyait avoir détruit les informations que vous cherchez, mais en réalité, les sentinelles qu'il a laissées les protégeaient. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les piédestaux! Votre ami invisible dit vrai. Je peux révéler les secrets contenus dans le piédestal de votre choix.
Oh. Bah vas-y hein. La clé, c'était Bryn. Elle répondait à toutes nos attentes. Elle avait du sang de dragon ancestral, était elle-même un dragon de cristal, tout en ayant sa propre personnalité. Notre mission a été un succès. Bryn a repoussé Krakatorik et a rallié d'autres descendants à notre cause. C'était Josso Escher, l'un des architectes principaux de l'héritage. Malheureusement, il a péri en tentant de convertir Krakatorik. Attendez, convertir Krakatorik? Oui. Les oubliés ont tenté le tout pour le tout, mais les dragons ancestraux sont trop affamés. Ils ont subi un tragique échec. Vous trouverez davantage de réponses en consultant les autres piédestaux. On va aller voir un autre. En fait, c'est un gros bordel, quoi. Putain, pied dedans, ce mec. Putain, on a peut-être dû aller sur le bout. Le concept le plus important d'un exalté est, malgré leur incommensurable puissance, il est possible de tuer les dragons ancestraux. Chaque dragon possède sa propre faille. Mordremoth, par exemple, maîtrise les pensées. Mais son atout majeur, son esprit, est également son plus gros handicap. La force unique de Krakatorik, sa faculté de cristallisation, est aussi sa faiblesse. Ses créations possèdent toute la même résonance fondamentale qui les relie aux dragons de cristal et les rend vulnérables entre elles. Une résonance fondamentale qui les rend vulnérables. C'est donc pour ça que Balthazar recherchait Vlast. Il avait besoin d'un descendant de Bryn pour tuer Krakatorik. Mais Vlast n'est plus de ce monde. Ce qui veut dire que... Oren. Une minute. Il y a quelque chose qui m'échappe. Si Bryn et les oubliés savaient ce que la mort d'un dragon ancestral infligerait à la Tiri, pourquoi élever Vlast et Oren? La réponse se trouve derrière cette porte verrouillée. Si vous avez terminé d'interroger les piédestaux, nous pouvons y aller. Non, moi je vais tous les interroger. Moi. Par contre, si tu pourrais aller un peu plus vite, ça m'arrangerait. Atteindre le sommet de la chambre centrale ou éliminer ce dégât. Le show est censé être mon foyer. Ouais, il y a un succès pour les 5, donc je vais faire les 5. Hein. Je préfère l'air libre. Je me sens prisonnier ici. Cet endroit me rappelle que, malgré ma patience, je ne peux rien faire. Je dois attendre que l'héritage soit fin prêt. C'est Vlast. Nous l'avons encouragé à archiver ses pensées pour la postérité. Les rares fois. Eh, redonne-moi les autres, moi. C'était à contre-cœur. Il veut bien vous croire. On sent sa frustration et son impatience. On dirait un prodige de la golémancie qu'on obligerait à relire un manuel pour débutants. Ah, ça. Putain, ils m'ont fait peur. Je croyais qu'ils allaient enlever les deux autres. On va faire celui-là, puis après on fait celui devant la porte. Ah, bah là, au moins il se TP là. Allez, TP toi. Deux temps, le mec, putain. Je n'y tiens plus. Les palabres interminables sur le devoir et la destinée, la révérence aveugle, cela me dégoûte, me met en colère. Malgré leur longévité, mes exaltés restent d'insignifiants mortels. Le moindre sifflement d'exaspération les terrorise. J'ai un devoir à accomplir. Et la puissance qu'il faut pour le faire. Ils ne peuvent pas m'aider. Pourquoi se fatiguent-ils à prétendre le contraire? Malheureusement, Vlast a grandi dans l'isolement. Mais là, tu t'es où? Tu es juste devant la porte, là. Comment l'ouvrir au monde?
Lorsque nous nous sommes rendu compte qu'il avait besoin de vivre au contact de races mortelles, comme Ryl l'avait fait, il ne le pouvait plus vivre. Allez, dernier. Dépêche-toi. Sadizi et les autres me disent d'attendre. Qu'avant le début du vrai travail, l'héritage doit atteindre sa maturation. Mais je suis prêt, moi. Le pouvoir de Kralkatorik continue à grandir. Et la mort de ma mère n'est toujours pas vengée. Pour autant, je suis son digne fils. J'attendrai. Je jouerai le glorieux rôle qu'elle et les oubliés m'ont assigné. Les serpents et leurs serviteurs d'or ont beau en parler comme s'il s'agissait de leur plan. C'est surtout Bryl qui en est à l'origine. J'agirai donc en son nom. En attendant que l'héritage soit fin prêt, je repousserai Kralkatorik et massacrerai sa horde de stigmatisés. Bon, on va aller par là-bas. Intrus. Ah putain. T'arrives sans foi. Quoi? Je saute pour me soigner. Parchemin de feu. Elle a dû être endommagée pendant l'attaque de Joko et de Balthazar. Putain, il y a un parchemin de feu. Vous avez de la chance. Le commandant est un expert en démolition. Entrez, je vous en prie. Voilà une belle découverte. Le Wall. Je sais pas ce que j'ai posé. Abondance et famine se succèdent. Affamés, ils s'éveillent. Repus, ils s'endorment. Ryl et les oubliés ont tenté de rompre ce cycle d'extrême pour restaurer l'équilibre. Mais lorsque, contre toute attente, deux dragons ancestraux ont été éliminés au cours du même cycle, nous pensons qu'un vide s'est créé. Un vide qui a provoqué le dérèglement du système et a marqué le début du chaos. Ce qu'ils espéraient, c'était que l'héritage de Bryl stabiliserait le cycle. Notre hypothèse est que ces absences doivent être comblées par des entités capables de diffuser et transmettre de la magie plutôt que de la garder. Ce n'est qu'à ce moment-là que la magie sera vraiment stabilisée et que l'héritage de Bryl aura rempli son office. En fait, c'est ça l'arme, c'est pour restabiliser le monde. Waouh! Les descendants de Bryl sont plus importants que nous le pensions. Balthazar ne voit en eux qu'un moyen d'augmenter sa puissance. Cela dit, il pourrait considérablement aider à rétablir l'équilibre naturel. Si vous êtes le véritable protecteur de l'héritage de Bryl, il vous revient d'empêcher Balthazar de s'emparer d'elle. Mais sachez qu'il ne reculera devant rien pour tuer le dragon de cristal. Taimi, envoie un message à Ritlok, Kanak et Kasmir.
Il y a un aiguillon au sud du camp des vols d'écume, de taille suffisante pour amarrer l'aéronef de Kiel. Dites-leur de me rejoindre là-bas. Commandant, vous devez partir, immédiatement. Je sens que les forgés approchent. Si vous avez réussi à trouver quelque chose, c'est que je n'en ai pas efficacement caché l'entrée. Je dois sceller l'entrée à jamais. Ce portail vous permettra de regagner la surface sans encombre. Mais... et vous ? Moi, je respecterai mon engagement de protéger ce lieu sacré au péril de ma vie. Je suis en paix. Adieu, commandant. Ok. Eh bien, les amis... Oh, bien les oublier. Qui se couche ? Mène à la satisfaction. Alors, j'ai quoi ? Un gold ? Double-cliquer ? Un volant d'œil ? Ok, en fait, c'est tous des trucs à collectionner. Ok, ok, donc voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien et à bientôt.